Tillon, bonjour et bienvenue à nouveau sur le podcast. Bonjour Aurélie, merci de me faire venir avec toi. On se retrouve aujourd'hui pour un second épisode. On en a déjà fait un ensemble, on a enregistré juste avant où on a beaucoup parlé de respiration. On a parlé du yoga aussi, bref, on a parlé de ta pratique. On a parlé aussi de ton parcours et de ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, à savoir accompagner les gens autour du yoga et de la respiration, à proposer des stages, etc. Donc j'invite toutes les personnes qui nous écoutent et qui n'auraient pas écouté ce premier épisode à aller t'écouter et à aller tout simplement apprendre à te connaître et à connaître ce que tu fais. Sachant que tu as une chaîne YouTube aussi où tu proposes pas mal de contenu pour accompagner les gens justement à faire leur propre chemin autour de la respiration. Et on avait envie de finalement prolonger notre échange plus précisément autour du sommeil. Bien sûr, qu'est-ce qu'on peut faire au moment du coucher ou la nuit ? Parler de ce qui se passe au niveau de la respiration pour le sommeil, parler de notre système nerveux, de ce qui va induire le calme, l'apaisement. Tu as plein de choses à nous partager là-dessus. Et du coup, comme ça, scindé en deux épisodes, ça permet d'en dire encore plus. Alors, je vais commencer par te dire merci pour ce temps que tu m'accordes et que tu nous accordes sur le podcast. Parce qu'effectivement, tu nous partages beaucoup de choses et toutes ces informations sont vraiment très, très précieuses. Merci Aurélie, merci de me permettre de le partager. C'est aussi grâce à toi que ça existe. Fred, je te propose qu'on démarre par ce sur quoi on avait terminé la fois dernière, à savoir, tu proposes des stages en pleine nature, de reconnexion à soi. Il y a du yoga, il y a de la marche, il y a de la respiration, il y a aussi un peu de bain froid pour ceux qui souhaitent justement se jeter à l'eau, c'est le cas de le dire. Moi, quand tu me parles de tout ça, j'ai envie de dire waouh, mais en fait, c'est vraiment ce temps qui nous manque dans nos quotidiens. Dans nos sociétés aujourd'hui, où finalement, du lundi au dimanche, on a la tête dans le guidon. Et rien que le fait de se dire « je prends du temps », c'est pas forcément « est-ce que j'ai le temps ou pas ?» C'est pas ça la vraie question, c'est sûr. Pourquoi je prends mon temps ? Et le fait de venir prendre du temps, alors prendre du temps peut-être pour des cours régulièrement, mais rien que là, sur un stage, tu parlais du stage là, de septembre qui était complet pour toi pendant 2 jours, etc. Rien que se dire « je vais prendre du temps », pour moi, pour mon corps, pour cette reconnexion, c'est déjà, je ne vais pas dire que c'est la moitié du travail, mais pas loin en fait. Parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une frénésie intérieure permanente et que notre mental n'arrive pas à se poser parce que notre corps ne se pose pas. Donc forcément, les deux sont intrinsèquement liés. Et pourquoi je voudrais commencer par ça ? Parce que au moment du coucher, lorsque on s'apprête à couper la lumière, à vraiment partir pour la nuit, quand on n'a pas eu un seul moment pour soi dans la journée, ni la veille, ni l'avant-veille, et qu'en fait on avance vraiment les yeux fermés, juste en mode automatique, c'est ultra dur pour le corps de venir s'apaiser, de venir partir vers le sommeil qui nécessite de changer de mode. Là, on n'est plus dans le même mode, hein. Tu pourras nous parler du système nerveux, ce qui se passe à ce moment-là, mais on n'est plus dans le même mode de fonctionnement. Et c'est pour ça que moi, je propose toujours qu'il y ait un rituel du soir, un petit peu comme une espèce de sas de décompression, ou une routine qui peut être plus ou moins longue selon notre vie, selon notre situation, selon ce dont on a besoin. Et dans cette routine, eh ben, on peut mettre plein de choses. Et on peut mettre plein de choses qu'on n'aurait probablement jamais mises, jamais faites, qu'on aurait procrastinées ad vitam aeternam, dont la respiration, certaines postures, des automassages, des massages avec son partenaire. Enfin, il y a plein de choses en fait qu'on peut faire au-delà de la lecture qui est souvent assez classique. Longue introduction, je te laisse la parole, Fred, parce que loin de moi l'idée de faire un podcast toute seule aujourd'hui, pas du tout, mais j'avais très envie de venir poser cette intention sur quel temps je m'accorde, et ensuite, ce qu'on y met dedans, finalement, c'est juste, ce sont des outils, mais déjà, faut laisser l'espace, il faut qu'il y ait un cadre dans lequel utiliser ces outils. Complètement, mais belle introduction. En effet, je rajouterais à ton introduction que quand les gens ont bossé toute la journée, ils ont été harcelés de toutes parts par plein de choses, mais en fait, quand arrive le soir, ils pensent déjà au lendemain. Et donc, en fait, ils sortent jamais de ce truc-là. Donc, c'est une stimulation permanente du système sympathique. Là, tu parlais de système nerveux.
Donc, on va parler du système de l'activation, le système sympathique, et puis le système de l'apaisement, du ralentissement, c'est le système parasympathique. Et en fait, si on est dans une cogitation mentale, dans l'activation du corps en permanence, les lumières d'écran, l'hyperventilation, bah, on va en permanence activer notre système sympathique. Et alors là, pour s'endormir avec ça, bah, c'est déjà très compliqué. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait de, quand tu, déjà, mentalement, tu t'octroies un sas de décompression, parce que tu sais que tu vas avoir ton petit moment à toi, c'est déjà une très grande victoire, parce que mentalement, tu sais que tu as ce moment-là, donc tu sais que tu as cette parenthèse qui va te permettre de décompresser. Encore faut-il se dégager ce temps-là. Ça devait être déjà le premier travail. Ensuite, le deuxième travail, ça va être de décider qu'est-ce que j'y mets dans cette parenthèse. Donc attention au piège de « oui, je m'octroie mes 20 minutes le soir, mais en fait, quand je fais mes 20 minutes, bah, je suis pas dedans. » Parce que, ouais, ok, allez, je fais une respiration guidée parce qu'on m'a dit de la faire, c'est bien pour moi, donc je la fais, mais en fait, je pense à autre chose. On m'a dit de faire 3-4 postures de yoga, donc je l'ai fait parce qu'on m'a dit que c'était bien, mais en fait, j'y suis pas, donc mon mental, il est ailleurs pendant que je l'ai fait. Alors ça, ça sert à rien. Parce que ça aura pas d'effet bénéfique, ça va pas ralentir le corps. Donc, je dirais, vaut mieux prendre une parenthèse un peu moins longue et ne pas culpabiliser de la prendre, mais par contre, la vivre à 100%. C'est-à-dire que pendant cette parenthèse, bah, on pense pas au lendemain, on pense pas à la journée qui est passée, on est juste à ce qu'on fait. Et ensuite, faut construire qu'est-ce qu'on met dedans. Alors, sur ma chaîne, j'ai pas de séance de yoga postural dédiée à l'apaisement du soir, mais il y a un tel contenu sur Internet que les gens pourront trouver tout à fait, s'ils le souhaitent, une petite séance du soir pour les apaiser, en allant chercher voilà des postures plutôt passives et pendant lesquelles on va ralentir le souffle. Par contre, moi, ce que je peux proposer, c'est des techniques respiratoires qui sont là pour aller stimuler le système parasympathique. Et donc, pour aller stimuler le système parasympathique, on a plusieurs techniques, enfin, elles sont même très nombreuses, mais on a des techniques qui sont très simples. Et je dirais que la première, ça va être de prolonger la durée de l'expiration par rapport à celle de l'inspiration. Dans le corps, l'inspiration est activante, l'expiration est apaisante. Et la vie, c'est que ça, c'est que des équilibres. Donc, bah là, on a parlé d'un déséquilibre majeur où les gens sont stimulés à outrance tout le temps. Et si on crée pas ce... On était plutôt dans l'yin. Si on crée pas le yang pour aller apaiser la personne, eh ben, on peut s'installer dans les troubles du sommeil, dans les troubles de l'endormissement, dans enfin, tout ce qui peut être délétère la nuit. Donc, pour aller stimuler ce système parasympathique, on va aller travailler sur des volumes respiratoires plus doux. On va aller travailler voilà sur la prolongation de la durée de l'expiration. Et puis, on peut travailler sur une technique respiratoire. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la respiration Ujjayi. C'est une respiration, en fait, c'est un frottement dans le fond de la gorge. Alors, on peut dire qu'on respire un peu comme Dark Vador, ou c'est aussi la respiration de la buée. Donc, grosso modo, quand on a la bouche ouverte, ça fait ce bruit-là. Mais évidemment, moi, je vais vous demander de la faire bouche fermée, parce que je prône la respiration nasale. Mais cette respiration, alors le Ujjayi, c'est, ça veut dire guerrier victorieux en sanskrit. C'est le guerrier victorieux du mental. Et ce frottement dans le fond de la gorge, en fait, il ressemble un petit peu au bruit des vagues du sac et du ressac maritime. Vous allez entendre des... Rien que travailler avec cette respiration avant de vous coucher, ah ben alors là, c'est l'apaisement assuré. Parce que ce petit bruit-là, en fait, il ancre dans l'instant présent. Si en plus vous faites une petite visualisation de la mer avec les yeux fermés, ben là, ça commence à être pas mal. Et si à ça, on associe un schéma respiratoire avec une expiration prolongée, ben là, on va bien favoriser le retour au calme, l'apaisement. Et puis après,
faut pas retourner dans quelque chose d'activant juste derrière, en fait. Je pense que c'est un rituel qui devrait s'installer juste avant le coucher, voire dans le lit. Je sais pas, toi, ce que tu proposes aux gens que tu suis, Aurélie, mais voilà, qu'il n'y ait pas un truc hyperactif juste derrière, parce que ça risquerait un petit peu de casser l'élan, l'élan, entre guillemets, l'élan de descente du corps, de l'activation du corps. Oui, complètement. Effectivement, moi, je propose toujours de terminer son rituel du coucher, terminer sa routine du soir par ça, en fait, vraiment au moment où il n'y a plus rien à faire. Parce que je trouve ça trop dommage, effectivement, de venir réussir à vraiment, là, on est plus dans le même état de conscience, tout le corps s'apaise, et puis c'est à ce moment-là qu'on doit passer à la salle de bain, se brosser les dents. Enfin, non, il n'y a plus de sens. C'est trop dommage. Ok, ça me parle bien. J'ai cette expérience là par rapport à ce son qui sort de la gorge, en tout cas qu'il faut apprendre finalement à faire, parce qu'on ne fait pas ça dans la vie de tous les jours. J'ai peu expérimenté, c'est pas quelque chose avec lequel je suis très familière, mais j'ai assisté à une conférence de Stéphane Hérault, que tu connais peut-être. Oui. Qui justement nous vous a beaucoup pratiqué pendant cette conférence, et du coup j'avais pu expérimenter ça, et c'est assez magique finalement de se dire, mais en fait, quand on est enfant, et quand je vois mes enfants qui sont petits, je les vois tout le temps utiliser leur voix et leur corps pour expérimenter plein de trucs. Et ils vont pousser des cris, faire des bruits bizarres avec leur bouche. Je précise, ils sont petits. Mais justement, ce qui est assez marrant, c'est de se dire que nous, en tant qu'adultes, en fait, on n'expérimente vraiment plus rien du tout. Il y a plein de sons, plein de choses qu'on peut faire, que notre corps est capable de faire, mais on ne le fait pas. Alors bon, on va dire, c'est peut-être pas si grave en soi, c'est comme ça, chaque âge de la vie a son côté un peu magique, mais pour le coup, parfois, de revenir à certaines choses, ou en tout cas, d'expérimenter de nouvelles choses, tu te dis, ah tiens, mais mon corps est capable de faire ça, ça permet de se dire, ah mais en plus, quand je fais ça, ça m'amène tel ou tel état. Mmh. Et puis après, c'est vrai que là, on parle beaucoup de l'apaisement, mais on peut aussi tout à fait rechercher justement le côté dynamisant. Le matin, si on a une réunion très importante, si on a une épreuve sportive, si on a une journée intense, on peut aussi vouloir faire des choses qui vont nous dynamiser. C'est encore d'autres exercices, et puis d'autres schémas. Mais en tout cas, c'est intéressant de se dire, OK, ne restons pas figés sur uniquement ce qu'on a toujours fait. C'est pas parce qu'on l'a toujours fait que c'est normal déjà. C'est pas parce qu'on l'a toujours fait que c'est bon pour nous. Et c'est pas parce qu'on l'a toujours fait qu'il n'y a pas tellement d'autres choses à faire. Donc, j'avais juste envie de venir un peu poser des mots là-dessus, sur cette ouverture d'esprit, de dire, mais explorons. En fait, on devrait peut-être un peu nous connecter avec nos âmes d'enfants, et d'explorer un maximum de choses sans penser au jugement de l'autre, au jugement de soi-même vis-à-vis de nous-mêmes, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'auto-jugement qui nous limite énormément. Et là, moi, quand je t'entends parler de ça, j'ai envie de dire, mais ouais, mais il faut explorer, il faut se laisser de l'espace, en fait. Je suis très content que tu parles de ça. Ça m'est pas venu à l'esprit, mais en fait, c'est super chouette, parce que dans mes cours et dans tout ce que je propose, je propose le chant. Et merci d'en avoir parlé. Et ça peut être une technique pour le soir aussi, c'est utiliser sa voix, parce que la voix humaine, c'est quelque chose de fabuleux. Alors, oui. C'est fabuleux en groupe, mais c'est fabuleux aussi seul. Et la plupart des gens vont te dire, ça c'est pas pour moi, je sais pas chanter. Bon, encore une histoire du mental qui nous négative et qui nous décrédibilise, mais si les gens font leur guidage, leur technique respiratoire seule, ils peuvent utiliser leur voix. Alors, j'ai parlé du Ujjayi, qui est très apaisant avec ce frottement au fond de la gorge, mais tu as raison, c'est une technique qu'il faut trouver, et elle n'est pas forcément accessible facilement à tout le monde dès la première fois. Une autre technique qui existe, alors elle a plein de noms, en sanskrit elle s'appelle le Brahmari, en français on l'appelle la respiration de l'abeille, on l'appelle aussi le humming. Là, en fait, ça va être poser une note sur son expiration, mais bouche fermée, pour faire un évidemment en prolongeant l'expiration, et en associant la prolongation de l'expiration et le son de la voix, tu as une espèce de symbiose apaisante de ces deux pratiques. La voix qui va faire, en plus avec la bouche fermée, on va aller faire vibrer toutes les parties osseuses de la boîte crânienne. Et en plus, cette voix humaine a un côté apaisant.
Donc, on fait vibrer tous les os de la boîte crânienne, on prolonge l'expiration, on profite de toutes les vibrations de la voix. Et donc ça, sur mon site, il y a aussi un morceau qui s'appelle la boîte à humming, voilà, qui utilise un schéma respiratoire assez simple, hein, une respiration rectangulaire avec une prolongation de l'expiration avec une note dessus. Et après, il y a carrément une autre pratique qui va être... Et ça, je fais juste une petite parenthèse, mais pourquoi pas le faire avec son partenaire, sa partenaire, ses enfants. Les enfants, ils adorent chanter. Et donc, bah, toi qui as des petits-enfants, tu le sais, moi, des enfants, voilà, j'en ai 4, donc on a fait plein de trucs avec eux. Mais chanter avec les gamins, bah, voilà, autant les techniques respiratoires, ils sont pas forcément très emballés, quoique en petit âge, ils sont partants pour tout. Mais voilà, mélanger les voix, waouh, quel kiff, ça fait du bien. La famille qui fait du bras-mari, ça c'est trop chouette. Alors après, c'est un peu plus compliqué parce que si tout le monde n'est pas dans son lit, dans sa chambre, on va être obligé de réactiver certaines personnes. Donc c'est pas forcément adapté à tous les contextes, à voir en fonction des familles. Et donc, je ferme la parenthèse, il y a une troisième technique pour la voix qui est le home, le son avec la bouche ouverte où là, on va aller prolonger son O, terminé par le M, qui est le son, selon la culture indienne, le son originel de la création de l'univers, qui est un son très apaisant, en fait, très rond, très chaud. Et pareil, voilà, sur ma chaîne, il y a aussi ça, ce type de guidage, où il y a des techniques respiratoires avant, et puis après, on joue un petit peu avec les rétentions, poumon plein, poumon vide, et puis, il y a le home. Donc, des techniques respiratoires pour aller s'apaiser, il y en a vraiment beaucoup. Donc, faut que chacun teste, et que chacun trouve la chaussure qui lui va le mieux à son pied. Alors, ça me fait penser ce que tu dis à l'exercice de cohérence cardiaque qui est souvent mis en avant pour s'apaiser. Mais finalement, moi, ce que je constate dans le quotidien, c'est que ça ne correspond pas à tout le monde. C'est pour ça que j'aime bien ce que tu viens de dire, à savoir de trouver voilà, la chaussure à son pied. Parce qu'effectivement, bah, pour certains, la cohérence cardiaque, mais tu pourras nous en dire quelques mots, c'est finalement... soit trop rapide, soit trop lent, puis comme l'inspire est exactement, si on fait du 5-5, ça fait même temps d'inspire que d'expiration, pour certaines personnes, ça va pas avoir ce côté assez apaisant. Et du coup, l'idée de se dire, ok, la cohérence cardiaque, c'est très connu, en tout cas, ça a été très démocratisé sur les dernières années, ça peut être un outil intéressant, mais si ça me va pas, ça veut pas dire que la respiration où les techniques de respiration ne me vont pas et qu'il y a forcément d'autres choses à trouver pour soi. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots de cette technique-là ? Oui. Alors, cette technique, je ne sais pas pourquoi, a bénéficié de nombreuses études médicales, a été très, très mise en avant. Le revers de ça, c'est que la plupart des gens ont l'impression que c'est une technique universelle qui va marcher voilà, pour tout le monde, et qui va être un petit peu salvatrice. Alors en fait, il n'y a pas de technique salvatrice. Il n'y a que les techniques qui vont correspondre à chaque personne, déjà. Ensuite, cette cohérence cardiaque, en fait, elle porte bien son nom. Elle ne s'appelle pas respiration apaisante, elle s'appelle cohérence cardiaque. C'est-à-dire que vous allez travailler, dans cette technique respiratoire, ressentir l'influence de l'inspire et de l'expire sur le rythme cardiaque. Donc, dans la cohérence cardiaque, quand on inspire, on va sentir, si on est vraiment centré sur soi, une légère accélération du rythme cardiaque. Et quand on expire, à contrario, on va sentir une légère décélération du rythme cardiaque. Et donc, on travaille, en fait, dans cette respiration sur l'équilibre. Activation, apaisement. Activation, apaisement. Donc, on n'est pas dans la recherche d'un apaisement particulièrement. On est plutôt à la recherche d'un équilibre et d'une... Donc, d'accord, pour des gens qui sont dans une surstimulation de la partie activante, ça aura un effet apaisant. Mais on est plutôt dans la recherche de, ok, on est aligné, on est 50-50 activé, apaisé dans la cohérence cardiaque. Et puis, on vérifie surtout dans cette technique respiratoire que notre rythme cardiaque est bien associé à notre respiration. Quand les gens font des examens médicaux, ils se rendent compte que sur l'électrocardiogramme, il n'y a plus de relation respiration-rythme cardiaque, et bien là,
il y a peut-être un problème médical sous-jacent. Donc cette technique respiratoire, tu vois, moi je la prendrais avec des pincettes parce que comme tu le disais à juste titre, elle est loin d'être accessible à tout le monde parce que des gens qui ont un verrouillage complet au niveau du diaphragme parce que émotionnellement ils sont très pris, parce qu'ils sont bouleversés, parce que voilà, il y a des blocages partout, ils seront incapables d'inspirer sur 5 secondes. Et la plupart des gens, naturellement, vont rechercher une expiration plus longue que l'inspire. Donc, ça peut créer une frustration, comme tu le disais, si les gens cherchent une expiration qui va être plus prolongée que leur inspiration. Alors, c'est bien aussi de respecter des règles dans la respiration. Des fois, c'est frustrant, mais c'est bien aussi d'obliger la respiration à obéir à la volonté, à notre volonté. Mais dire que la cohérence cardiaque, c'est un truc qui se suffit en soi, non. Enfin, moi, je suis complètement en désaccord avec ça. Il n'y a pas une technique. C'est comme ce serait mensonger de ma part de dire là, avec toi, j'ai la technique pour que tout le monde s'endorme. Ce serait mensonger. Et toi qui vois des gens qui ont des problèmes d'endormissement, je pense que tu es obligé de trouver dans ta boîte à idées des trucs originaux pour adapter à chaque personne, en fait. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas deux feuilles de route identiques. Donc, ce qui est important, c'est pas, encore une fois, l'outil, c'est de comprendre l'esprit qu'il y a derrière. Pour qu'après, chacun puisse adapter et utiliser pour lui. Et du coup, dans cette logique d'adaptation et d'utilisation de façon pratico-pratique, est-ce que tu conseillerais plutôt là, dans ce cadre du moment du coucher, ou alors de la nuit, parce que finalement, si on se réveille la nuit, on peut utiliser aussi la même... Ce qui nous plaît pour le soir peut aussi être dupliqué la nuit. Est-ce que tu conseillerais plutôt de pratiquer assis, de pratiquer... peut-être en position, je veux dire en tailleur, peut-être allongé. Qu'est-ce qui, selon toi, est le plus bénéfique d'un point de vue respiration, d'un point de vue apaisement ? Eh bien, encore une fois, c'est propre à chacun. Parce que moi, je propose toujours aux gens de choisir la posture qui leur convient le mieux. Parce qu'en fait, 10 personnes qui vont essayer une technique respiratoire, eh ben, tu en as peut-être 7 qui vont être très bien en position allongée. Parce que pour certaines personnes, en position allongée, le diaphragme va naturellement se déverrouiller. Mais d'autres, en fait, vont pas arriver à sentir les choses aussi précisément quand ils sont allongés que quand ils sont assis. Donc, il faut que les gens testent. C'est vraiment ça le maître mot. Et c'est pareil, on peut pas dire cette technique, il faut que tu la fasses en position assise parce que c'est comme ça. Non, parce qu'en fait, là, on bride les gens. On leur laisse pas l'espace de trouver ce qui leur convient. Donc non, tester le même guidage respiratoire, en plus, en fonction du contexte émotionnel dans lequel ils vont le faire, ben, ça va pas donner les mêmes choses. Donc pareil pour la position, il y a un jour, voilà, la personne elle est pas bien, parce que des fois la position assise en tailleur, etc., ça va pas. Il y a des fourmis dans les jambes qui arrivent tout de suite, le dos se contracte, on n'est pas bien, et que les gens se laissent l'opportunité de s'allonger. Pourquoi se brider à s'obliger à faire des trucs, en fait, qui, si les gens ont mal, ils vont être que dans leur douleur et ils seront pas dans le bienfait de ce qu'ils font. Donc voilà, ça sert à rien. Donc que les gens trouvent la position qui leur convient le mieux. Ce qu'il faut par contre, c'est qu'il n'y ait pas de distraction environnementale. Si les gens font ça vite fait avec le téléphone allumé, les notifs sonores, les enfants en bas âge qui sont pas couchés ou les trucs comme ça, bah, c'est voué à l'échec. Parce que s'il y a une sollicitation et que la personne elle se casse son petit rituel, bah, y a pas de bénéfice. Donc, faut trouver son environnement et sa position qui nous convient. Et il n'y a pas de position qui convient à tout le monde. C'est comme les techniques respiratoires. Faut rien imposer aux gens, je pense. Il y a un outil aussi qui revient souvent au moment quand on parle de sommeil, pour le moment du coucher ou en tout cas lorsqu'on rencontre des difficultés pour s'endormir, c'est le fait de pratiquer le yoga nidra. C'est quelque chose que beaucoup de personnes essayent parce que visiblement sur le sommeil c'est très intéressant. Alors moi je l'ai un peu expérimenté mais pas énormément, c'est pas forcément quelque chose avec lequel je me sentais très à l'aise, mais encore une fois, et ça rejoint absolument ce que tu disais juste avant, je pense qu'il faut tester et probablement pour beaucoup de personnes c'est très bénéfique. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? Alors yoga nidra, je peux pas t'en parler parce que en fait je le pratique pas, et
je préfère parler de choses que j'ai testées, que je connais, voire que je maîtrise. Le yoga nidra, voilà, je connais pas. Je sais que c'est un yoga extrêmement doux, souvent soit en position assise ou allongée, avec beaucoup de visualisation et de respiration. Mais la pratique du yoga nidra, je ne l'ai pas. Donc, je serais mensonger de ma part de conseiller des choses aux gens sans l'avoir testé. Moi, toutes mes respirations, elles ont été explorées de fond en comble, testées, et je sais de quoi je parle. Le yoga nidra, je sais pas. Je ne vais pas t'en dire quoi que ce soit. Non, c'était la question piège de fin d'épisode. Bien joué. Alors, en parlant de fin d'épisode, Fred, on va aller tout doucement vers la fin de notre échange, mais tu vas nous proposer justement un petit exercice pratico-pratique pour que les gens puissent prendre un temps pour eux, déjà ça, et puis ensuite, ils vont avoir le plaisir de se laisser porter par ta voix et surtout par ta musique. Tu nous as proposé là un petit temps de 5 minutes, c'est ça, 5-7 minutes? Ouais, 7 minutes. Oui, c'est ça. 7-8 minutes, alors c'est un voyage musical que j'ai appelé Sérénité. Alors ça va être un schéma respiratoire très très simple. Mais je vais donner quelques clés éventuellement pour que les gens puissent profiter pleinement de l'expérience. Alors déjà, le schéma respiratoire va être le même tout le long. Ça va être inspiration sur 4 secondes, expiration sur 8 secondes. Donc déjà, il faut ne pas se juger négativement en se disant « Oula, il a dit 8, j'ai jamais fait ça, je vais pas y arriver. » On a parlé tout à l'heure pendant le podcast de la respiration Ujjayi, le petit resserrement qu'on avait au fond de la gorge. Ça, c'est vraiment la technique respiratoire qu'on peut utiliser pour travailler ce Ujjayi et sentir ce petit frottement dans le fond de la gorge qui, lui, va permettre de ralentir le flux d'air et du coup de pouvoir prolonger son expiration. Et ça va exacerber l'effet apaisant de l'expiration. Si la personne n'a pas envie d'utiliser le Ujjayi, pas de problème. Dans ces cas-là, il va falloir essayer de canaliser l'air en utilisant les muscles respiratoires. Alors, on peut faire attention à ne pas laisser l'air s'échapper comme il a envie de le faire tout seul. Donc du coup, on peut tout doucement empêcher le ventre et la cage thoracique de perdre du volume trop rapidement. La respiration, c'est un jeu de pression et de dépression. C'est-à-dire quand on inspire, on va écarter, on va utiliser les muscles respiratoires pour dilater, donner du volume à la cage thoracique pour que par dépression, l'air rentre. Et à l'expiration, c'est l'inverse, on va relâcher les muscles pour que, par surpression, l'air ressorte. Et ben ça, c'est un super exercice pour ressentir tous ces muscles-là, et justement, les maîtriser pour prolonger l'expiration et venir chercher l'apaisement. Ensuite, comme c'est un schéma respiratoire qui est très répétitif, chez les gens qui ont l'habitude de respirer, ça peut être, on laisse une grosse place au mental. Alors, pour s'enraciner davantage dans l'instant présent, sur l'inspiration, je peux proposer aux personnes, à chaque fois qu'ils inspirent, ils contractent le périnée. Ils soulèvent légèrement leur plancher pelvien, et puis à chaque fois qu'ils sont dans l'expire, ils le relâchent, ce périnée. Donc, on inspire, on contracte le périnée, et à l'expire, on le relâche. C'est un exercice génial pour s'ancrer. Parce que c'est pas forcément un truc qu'on fait régulièrement de solliciter le périnée. Alors, en plus de faire une rééducation périnéale, ça permet d'être dans des ressentis corporels inhabituels, donc plus facilement ancrables dans l'instant. Donc, en utilisant un petit mix de toutes ces clés, l'exercice devrait pouvoir être faisable en étant 100% dans l'instant présent et avec un mental silencieux. Et avec une expiration dont la durée est doublée par rapport à l'inspiration, on est vraiment dans la sollicitation du système parasympathique. Et à la fin, les gens n'auront plus qu'à se déposer dans leur sommeil. Merci pour toutes ces instructions, pour qu'on puisse profiter au maximum de ce qui va suivre, quelque chose qu'on peut retrouver. Quelque chose qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube. Donc, soit faisable avec ton podcast, ou alors faisable avec... éventuellement, je te fournirai le lien que tu pourras fournir aussi à tes auditeurs pour qu'ils le retrouvent facilement.
Super. Comme ça, je le mettrai effectivement dans le lien du dans le descriptif du podcast. Super. Fred, on va se dire au revoir là maintenant. Mm-hmm. Parce que comme ça, après, je vais pouvoir laisser filer l'audio et les gens qui souhaiteront faire leur respiration ce temps-là et peut-être s'endormir au son de ta voix pourront le faire. Donc, on viendra pas parler et puis justement restimuler le sympathique derrière avec le conscient qui va vouloir nous écouter. Donc, comme ça, chacun pourra laisser filer. Je te remercie pour cet audio là qui arrive, pour à nouveau cet épisode, ce second épisode. Je dis second, mais c'est peut-être deuxième, on ne sait pas, peut-être qu'il y en aura un troisième par la suite, on verra bien. Merci Aurélie. Où là vraiment on a pu balayer beaucoup de choses autour de la respiration. Je rappelle que tu organises des stages, je rappelle que tu donnes des cours, donc pour les gens qui sont juste à côté de chez toi, rappelle-nous la ville où tu habites. Je suis sur la commune de Montmorillon, dans le 86. C'est à une petite heure de Poitiers, au sud de Poitiers. Donc, pour les gens qui souhaitent venir te voir directement, y a des cours en présentiel. Et puis sinon, il y a ce travail que tu proposes gratuitement sur YouTube et qui permet de se découvrir, de te découvrir, mais aussi de se découvrir. Surtout se découvrir, en effet. Bonne continuation à toi, Fred. Merci aussi, Aurélie. Merci pour ton invitation et merci pour ton partage. Bonne écoute à vous pour ce qui arrive. Et n'oubliez pas, comme systématiquement je le répète dans le podcast, vous pouvez soutenir mon travail sur Insomnie hors de mon lit en partageant le contenu si vous pensez que ça peut aider vos proches, en notant, en commentant. Et vous pouvez aussi m'écrire directement. Je vous mets tous les liens dans la description du podcast. Bonne écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. 3, 2, 1, inspire, expire. Inspire, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, 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 expire.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et reprends une respiration normale. Namasté.